Alors, moi, je suis Jean-Pierre Poulin, je suis un sociologue spécialiste de l'alimentation et je suis professeur à l'Université de Toulouse et j'anime une équipe qui travaille sur la question des liens entre alimentation culture, alimentation santé. La présidence d'un comité d'experts dans une fondation comme la Fondation Nestlé France consiste à sélectionner un certain nombre d'opérations que nous allons supporter et que nous allons financer. L'intérêt que ça présente pour un sociologue et pour un universitaire, c'est de pouvoir soutenir un certain nombre de projets qui échappent parfois au financement public de la recherche. L'aventure d'une fondation, c'est de permettre le support de thématiques émergentes, de thématiques qui sont un peu à la marge des grandes machines de la recherche classique. L'idée, c'est de promouvoir la recherche dans des thématiques qui sont autour des évolutions de la société et de l'impact sur le comportement alimentaire. La Fondation Nestlé France va supporter une série d'actions scientifiques. On va aider des équipes qui sont engagées dans ces thématiques et on va aider à la construction de réseaux. Et puis, il y a des bourses de thèse, alors avec un jury un peu plus élargi également, un peu plus académique. Et là, on va venir aider un certain nombre de jeunes chercheurs. On en distribuera 3 par an pour venir travailler sur ces thématiques, pour les attirer, vous voyez, sur ces thématiques. Manger, c'est à la fois une expérience individuelle, mais c'est une expérience sociale. Et puis autour de l'alimentation, encore plus aujourd'hui qu'avant, il y a des enjeux qui débordent le cadre strict individuel. Il y a des enjeux de santé publique, il y a des enjeux sociaux, il y a des enjeux culturels.